Le ministère chinois des ressources humaines et de la sécurité sociale a déclaré mercredi que le marché du travail était en croissance stable durant les 3 premiers trimestres de 2017. Le ministère dit que 11 millions d'emplois ont été créés entre janvier et septembre cette année. Les chiffres montrent que le taux de chômage du troisième trimestre dans les zones urbaines est passé à 3,95%, le plus bas depuis la crise financière de 2008. Pendant ce temps, le rapport note que plus d'une dizaine de villes ont relevé leur salaire minimum. Shanghai est en haut de la ville avec 2 300 yuan et Beijing paie le plus par heure avec 22 yuan. Les analystes disent que le passage d'une économie basée sur la manufacture à une économie basée sur les services et la consommation a transformé positivement le marché du travail et les talents requis. Les professionnels innovants qui sont de bons communicants et qui sont capables de penser stratégiquement seront très demandés dans le futur.